Le Maroc, ils ont battu la Belgique. Il y en a plein, ils sont devenus marocains. Et c'est incroyable comme il y a des gens, ils s'inventent des origines pendant la Coupe du Monde. Je suis pas algérien, moi. Mais non. Ah, tu croyais que j'étais algérien? Mais pas du tout, je suis marocain. Mais non, je suis pas de Alger, je suis de Tanger. Ben oui. En fait, mon père, il habitait à Tlemcen. Tlemcen, c'est la frontière entre l'Algérie et le Maroc. Et mon père, il a rencontré ma mère Saïda à la plage de Saïdia, près de Oujda. Voilà. Et en fait, mon père, il s'est marié avec la tante, à la belle-sœur, à la cousine, à l'arrière-grand-tante, à mon beau-père, qui lui avait un petit cousin qui s'est marié avec la nièce, à la cousine, à l'oncle, à mon grand-père, qui lui était pied-noir, mais n'était pas vraiment algérien. Après, il est devenu algérien. Du grand frère au grand-père à ma tante, il est parti s'installer à Marrakech. De là, il a épousé une Marocaine et la cousine de celle-ci, elle s'est mariée avec l'arrière-cousin de mon grand-père. Donc, je suis Marocain. Ben oui, tu savais pas que j'étais Marocain? Maintenant, tu le sais. Marocain, moi. Tu croyais quoi? Ah, tu croyais que j'étais Algérien? Algérien de naissance? Non, Algérien de l'essence. J'ai mis de l'essence algérien. Tu confonds tout. De Annab. Non, de Rabat, mais je suis jamais été d'Annaba, je suis de Rabat, moi. En fait, la tante au grand frère, au beau-père, à l'arrière-grand-tante à ma grand-mère, il s'est marié avec le beau-père du grand frère à mon petit cousin. Et mon petit cousin, il était parti en Algérie, et pendant la guerre d'Algérie, les frontières étaient bloquées. Donc, il est parti au Maroc. De là, au Maroc, il a rencontré ma tante Saïd à Saïdia, de là ils sont mariés, ils sont installés au Maroc, et de là en fait j'ai été marocain. Ben oui, tu savais pas? Et maintenant tu sais. Voilà. Ouais, je suis quand même au Maroc en fait là, contre le Canada. Ouais.